Djangelevitch affirme, une aventure, quelle qu'elle soit, même une petite aventure pour rire, n'est aventureuse que dans la mesure où elle renferme une dose de mort possible. Dose souvent infinitésimale, dose homéopathique si l'on veut, et généralement à peine perceptible. C'est tout de même cette petite et parfois lointaine possibilité qui donne son sel à l'aventure et la rend aventureuse. Il faut du risque. S'il y a trop de confort, vous n'êtes pas dans l'aventure. Je pense qu'on voit bien aussi là avec Mary Wigman, alors c'est un risque, elle n'est pas en train de risquer sa vie, mais il y a un risque de mettre tous les codes à plat et de se réapproprier un propre élan sans savoir ce qu'il en est. C'est-à-dire toujours avec cette projection vers de l'inconnu.